Et salut à tous, c'est Gorskull, et bienvenue sur la suite de Desolate, les amis. On se retrouve au phare. J'ai baissé la difficulté, effectivement difficile, c'était vraiment trop difficile. Déjà, je suis mauvais de base, ouais, elle était... Ah, normalement, tu dois mettre que c'est vide, hein. Donc du coup, on se retrouve au phare, là, on est mort, bêtement. J'ai relancé une fois la sauvegarde, problème, le jeu carrément au complet, vu qu'on n'avait pas fait grand-chose. Et malheureusement, problème avec le cloud synchronisation. J'étais arrivé au phare, je veux lancer la sauvegarde. C'est perdu, monsieur, tu recommences encore une troisième fois. J'ai pu donc voir que les loots étaient à chaque fois différents. Dans l'onglet de l'équipement, voilà le truc pratique, c'est vraiment sélectionner l'onglet objet. Craft, pour pas faire d'erreur, attention, à pas démanteler. Hein. On me semble que de toute façon. On ne peut pas les démanteler quand tu vas dans tout ce qu'il y a dans ton inventaire. Le mieux, c'est ça. Tu démantèles, ça te fait tes pièces pour réparer les armes. Du coup, j'ai vu en facile. Il y a des raretés hein, sur les objets. Il me semble pas qu'on en avait eu. Donc là, on voit un maillet rare. On voit un objet de type insolite vert. Je pense qu'il y aura des supérieurs, voire légendaires. En termes de craft. C'est pareil, on peut s'apercevoir que la localisation, là où on peut crafter tel et tel objet, ça c'est pas, il me faut juste un tissu les gars, et je peux faire un sac à dos qui me donne plus 10 hein, en pods. Alors du coup, attends, je voulais te montrer quelque chose, non c'est pas ça. Si tu veux, ah non, Seigneur, pièce détachée 300, donc là il te faut aucun... Ah c'est des améliorations. Ok, c'est des buffs que tu mets. Ok, camion. Seigneur, ça rajoute plus 50 en solidité. Les dégâts passent de 120 à 260, s'il vous plaît, monsieur. Donc, ça commence à être sympa. S'utilise sur... Ok. Donc, certainement d'autres choses à débloquer. Au niveau bonus, et après, on finit, on continue. Level 3, les amis. Condition de l'île. Donc, santé max, 125% endurance max. Et démonter les objets superflus pour avoir ces fameuses pièces... Pour réparer. Voilà, le maillet, on voit pas parce que j'ai mon onglet dessus. Le maillet, on voit bien la barre ici, les amis. 24 sur 79, un clic droit. Démanteler 30, réparer 150 pièces. Donc tout fouillé, les loots sont à chaque fois aléatoires. Donc voilà, on peut continuer là-dedans, les gars. Et principal, c'est vraiment tout looter. Hein. Alors, j'ai remarqué pendant ces différents essais, ces retests, ces machins et tout, c'est niveau hitbox, hein, ça j'y reviens encore dessus, c'est un petit peu tendancieux hein, avec certaines bestioles, les êtres humains, style fou ou autre, ça va encore. Niveau son, des fois t'entends la voix à droite, mais le gars il est à gauche. Je ne sais pas ceux qui l'ont testé d'entre vous, si vous avez ressenti ce même effet. Le son est très important dans les jeux, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, une petite poupée qu'on pourra démanteler. Un petit chocolat, des clopes, voilà, un briquet, impeccable. Oh, un graffeuse. Ça nous fera des pièces. Prendre le temps, tout looter. Donc j'ai fait un peu plus d'hangar que sur la partie découverte, hein, les amis. Donc j'ai ramassé plus de choses. J'ai pas encore trouvé s'il y avait des ateliers pour crafter, s'il y avait ces fameux marchands. Il parlait de marchands, rappelle-toi un moment. Donc on va voir ça ensemble. Un petit microscope, merci. Juste un petit bout de tissu si on peut trouver. Ça pourrait être cool pour crafter ce sac. Hein. Là on est à 37 sur 40 kilos. Donc sac à dos, voilà, tissu. Toujours un petit morceau de tissu qu'on va peut-être... là-dedans, non, mais ça c'est plutôt cool, je sais pas ce que c'est. Non, monsieur. Ah! Peut-être une nouvelle recette là. J'attendais justement ce genre de choses là. Alors on a vu, on a ramassé un papier. Ça ressemblait à une sorte d'arme. Alors peut-être dans... Voilà, craft, on voit. Il y avait une boule jaune, c'est-à-dire qu'un nouveau craft a été débloqué. Et ça pourrait être quoi? Donc là, je suis dans tout. Ah, voilà, nouveau. On l'a en bas, nouveau. Infusion, les amis. Donc eau et herbe. Herbe, rappelle-toi, on essaye dans le premier épisode. Elles sont simplement. On ne peut pas choper les trucs là, les ciseaux.
montrer avec une petite lueur, une petite brillance jaunâtre. Je vais te montrer ça après. En appuyer, à mon avis, il faut aller encore en haut. De toute façon, la mission, c'est inspecter la station. Ouf. J'ai enlevé l'ampoule. Alors, ok, inspecter la station. Mais écoute, mon pote, on va remettre la lumière. On l'a inspecté, ça n'a rien validé. Intriguant. Ah, on a toute la map là. Hein. Avec des points. D'accord, ok. Ah, c'est des points qui sont notifiés dessus là. Alors, on va ouvrir notre map. Donc, nous, on est ici hein, en F8, hein, les amis. Là, par contre, on n'a pas les lettres. Mais on reconnaît hein, ici. Là, la petite boucle. La petite boucle. On est ici. Et il y aurait des choses là. Et là-bas, tout au nord. Ah si, B. Là, on voit B. Sur la map, ça serait. Donc, on voit la maison là. Ça serait ici. Ça serait là. Comment on met un point? Là, ici. Sur la route, ouais, c'est ça. Route. Pour être plus précis, là, il y aurait éventuellement quelque chose. Ok. Quoi qu'il en soit, ah, peut-être là, l'armoire, là, un truc à casser. Ben voilà! Il suffisait de descendre, les amis. Il y avait, c'était tout en bas, hein, voilà. Bon. Il y a un cinéma pas loin. J'y trouverai certainement ce dont tout j'ai besoin. Ok, bah direction le cinéma, les gars. Cinéma, donc du coup, nouveau point, 251 mètres, let's go. Alors, il y a un fou en bas du truc, hein, on va le flinguer, on commence à avoir un petit peu faim. J'avais fait un dîner. J'ai déjà mangé. Ah, on va prendre ça, hop. Ok, parfait. Soif, une petite soif aussi. Est-ce que j'ai de quoi boire un peu là? Jus de tomate, soif 12. Impeccable. Remonte un peu les jauges. Alors, je ne sais pas s'il s'agit sur la puissance de frappe aussi, le fait d'être stressé ou pas. Ah non, c'est pas 251 mètres, monsieur, c'est dans un putain de kilomètre. Où c'est mon point? Ah, c'est le point qu'il a mis lui. Attends, parce que. Pas se gourer non plus. Là, il nous met des signaux. Cinéma, voilà, c'est ici. C'est moi qui appuie et clic droit cinéma. Donc on est vraiment à côté, les gars. Là, tu vois, il nous met à 40 mètres feu de camp. Donc à chaque fois que tu cliques sur un feu de camp, quand tu meurs, bah tu peux respawn sur le dernier feu de camp auquel tu as pu cliquer tout simplement. On va essayer de trouver aussi de l'herbe. Tu verras, c'est légèrement indiqué. Ah, autour d'un feu de camp, c'est nickel, les gars, comme ça, regarde. Ah, je suis là, je suis là. Tu te mets de l'autre côté et il fonce dessus comme un naze. Et tu lui mets un petit coup de pied pour le refoutre dedans. Vas-y, mon pote. Vas-y, 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 ma petite gueule, vas-y. Bon, tu viens ou quoi? Je dis merde. C'est un peu, voilà. Oh, je suis monté sur la tente. Monsieur. Allez. Coucher, j'ai dit. Ah, le tissu, on pourra peut-être faire le. Les amis, qu'est-ce qu'on devait faire? Le sac à dos. Donc, dans l'onglet craft, sac à dos de base. Let's go créer. Donc, on voit bien deux peaux, deux tissus. Donc, ça, c'est impeccable. Donc, il l'équipe hein, tout seul. Hein. Voilà, on l'a ici dans l'armure. Des artefacts, hein, on a vu, les gars, là, en bas. On a vu. Viens de voir. Hein. Ça, c'est cool. Hein. Et là, à partir du moment où tu fais ça, voilà, dîner modeste, casse-croûte chaud. 25 de faim, 4% de santé, pareil avec le dîner modeste, donc la viande crue, légumes, conserve pommes de terre, on peut faire un de chaque, c'est impeccable. Non, c'était impeccable. On va faire voilà, deux viandes poêlées. On va garder les autres viandes crues, on peut faire des petits mix. Hein. Là, tu fais tout, hop, et comme ça, tu vois ce que tu peux faire dans le feu de camp. Parfait, ah ben voilà, là ça c'est une herbe, tu vois, le petit, hop. Voilà, je le coupe pour que la lumière que tu vois mieux. Ramasser herbe. Voilà. Alors, ça, c'est pratique aussi pour faire des bandages médicinales. Je vais beaucoup dans le menu, hein. C'est des bandages improvisés, s'il te plaît. Et du tissu, encore une fois, et de la santé.
Beaucoup de retours dans l'inventaire sur les. Histoire de bien découvrir un peu là, le mécanisme du jeu. Et voilà. Allez, direction cinéma, les gars. Je me demande si je suis pas passé tout à l'heure, mais j'ai pas osé. On va tomber sur le camp où il y a. Oups. Ah. Un dorgue. Ah, ça, eux, ils sont chiants à viser. Tu vois, pourtant, j'ai l'impression que je tapais dessus, mais. Et c'est un petit coup de pied. Eux, ils sont encore un peu délicats. Hein, la hitbox. Là, t'entends pas mes petits ch'touf ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est considéré comme une arme. Ok. Balles. Ah, bah oui, c'est des balles. J'avais eu un flingue sur la partie d'avant. Quand la sauvegarde a échoué. Et là, j'ai pas de flingue. Du coup, bon, c'est là que je me suis aperçu qu'effectivement, c'est bien aléatoire. Là, il y a loin. Ah, bah, il est là, lui. Oh, j'ai bien protect. Feu de camp, les gars. Voilà, technique. Ah, technique de tricheur. Hein. Technique de branlos. Hein. Hop, tu le refous dedans encore. C'est par ici que ça se passe, Kojak. Oh. Oh. Une insolite hache 210, mon pote. Ouh, le petit roublard, là. Ou la hache. Ouf. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on récupère pas mal de points. Je te montrerai après, parce qu'on était assez dans l'inventaire, là. Non, non, monsieur, tapez pas sur le tonneau. Ce qui est bien, c'est que les... Oh, caisse à outils. Oh, merci. C'est qu'avec les outils que tu démantèles, hein, de toute façon, on va démanteler ça. C'est pas fifou. Ça donne quand même pas mal de points. Regarde, démanteler 23. C'est pareil, démanteler 10. Tu vois, ce que je te dis, c'est ça commence, genre le moyen, si je veux le démanteler, c'est 30. Hein. On arrive à 100, c'est 150 hein, pour le réparer. Donc, non, non, c'est plutôt cool. On va essayer la hache là. Ouh, ça. Alors ça c'est juste une petite entité volante. Hein. Je me la suis pris pour tester. Ça te flingue un peu, ça te met un peu de dommage. Et également ça te monte un petit peu ton stress. Donc attention. Ah bonjour. Trouver des pièces dans le secteur du cinéma. Ok donc ça c'est le secteur du cinéma. On va trouver les pièces hein, les gars correspondantes pour la réparation du radar. Non monsieur. Arrêtez de vouloir tout taper. Ah, peut-être là-dedans? Eh ben, pas du tout. Donc, alors, attends, je vais enlever le point que je me suis mis moi-même. Voilà. On est dans la zone du Cinoche. Deux objets à trouver, let's go. Let's go. Oh, j'ai cru que c'était une bestiole, le machin, là. Oh, on a reçu une... Tu l'as vu aussi, une sorte d'épée sauvage, là. Oh, rare, le fauchon. Oh man, oh putain, oh, on va pouvoir éclater quelques gueules là-dessus. Et là, craft, le mode camion, on peut pas s'utiliser sur ma supelle matraque. Et le mode seigneur, pareil. On va sortir le fauchon, mon pote. Hein. J'arrive plus à courir. Ah, voilà pourquoi j'arrive plus à courir, les amis. Surpoids. Eh oui. On va démanteler, bien sûr, tout ça. On a quand même pas mal de... Dommage qu'il n'y ait pas de touche, à moins qu'il y en ait une. Pour démanteler la totalité. Effectivement, j'étais bien chargé. Est-ce qu'il n'y a pas ce fameux endroit où on peut faire du marchandage ou pas? On est encore au début hein, du jeu, là. Oh, il y a une voix là, mon cochon, là, que je viens d'entendre. Allez, 165 pièces, on peut récupérer. Pas récupérer, mais réparer le maillet, mais on a assez d'armes pour l'instant. Donc, du coup. Ah. Une pièce de poste, ça c'est cool. Ok, 1 sur 2, donc on va faire le tour. Hein. La maisonnette là-bas. Éteindre la lumière. Hein. L'herbe, toujours à prendre, impeccable. Chercher dans la cuisinière. Merci. Le fridge, y a rien. Ouais, beaucoup d'explos, de recherche, hein. De fouillerie, les amis.
Oh, peut-être un nouveau... Les gars, un nouveau plan, s'il vous plaît. Non? Ah bah non, un poster, ça me tendrait que ça donne un nouveau truc. Non. On n'a pas la petite boule jaune en haut qui nous dit qu'on a découvert une nouvelle recette, tout simplement. Je vous remette un peu la lumière, hein. Voilà, qu'on reste quand même dans l'ambiance. Ah, j'allais dire. Métal, ça va être important pour plus tard, je pense. On va aller voir le cabanon là-bas, si on peut pas trouver. Mais peut-être un peu loin, là, du... Oh! Waouh, bâtard, il m'a... Oh, tu ne t'attendais pas, putain! Oh merde, je crois que je vais devoir faire un zoom là pendant le montage. Ma tête, elle devait être magique là. Ah, je m'y attendais pas, man. Oh putain, sans déconner, mais me faites plus ça, s'il vous plaît. On va chercher cette pièce là, les amis. On a vu la première à quoi ça ressemblait. Je suis à côté là-bas droite là. Non, je crois pas. Voilà tout de suite au début. Si ça, je vais déjà fouiller. J'ai déjà fouillé. On allume la lumière, s'il vous plaît, monsieur. Ah, pièce de communication. J'avais déjà fouillé auparavant. Ah bah non. Si, regarde, les caisses sont vides. Mais ils ont refait pop les petits objets, c'est plutôt sympa. Du coup. Ah, l'étui, tiens, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Oh, merci, monsieur. On écoute cette petite musique. Ah, j'adore cette musique. Je sais pas le nom, les amis, mais j'adore cette musique. Mais vraiment, hein, c'est pas des mensonges, hein. J'adore vraiment cette musique. Alors, réparer la station de communication. Par contre, il nous met une sorte de bourse ou de sac, là. What the fuck? Merde. Arrête de tromper de touche. Oh! Oh, le fauchon! Oh, dans... Ah, là! T'as entendu? Il y a eu pour une seule fois, il y a eu un crack! Mais c'est tout, sinon le reste du temps, c'est dans le vide. Écoute, on va aller voir là au niveau de la bourse. Hein. C'est là où on a eu l'apparition de la jeune dame. Très charmante, hein, pour le coup. Hein. On va pas se le cacher. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est peut-être ça le truc de marchand, alors, du coup, les gars. Attention, peut-être. Attends. Oh, des barbelés. Peut-être pas passer par-dessus, les gars. Hein. Remplir. Ah oui, mes jauges sont... Qu'est-ce que j'ai rempli, là? Ah, peut-être de l'eau, attends. Non, on va utiliser ça. On va se faire un petit casse-croûte chaud. Et on a rempli eau sale. Ah, santé, moins 5. Est-ce qu'on peut peut-être le purifier? Ouais, je pense qu'on peut purifier ça dans une cuisinière. Ah, j'ai pas d'interaction possible là-dessus. Peut-être une autre entrée, les amis. On va quand même regarder. Ah. Je puisse voir, c'est ça, mais... Oh bah voilà, c'est tout. Il suffisait de sauter par-dessus. Putain, merde, sans déconner. Oh! Nouvelle recette, chips, les gars. Ah, voilà, peut-être ça. Attention, les gars. Analyser établi. Cool! Voilà, des établis. Ça, c'est enfin ce qu'on voulait. Putain, de mouche à merde, là. Ok, bon. Faut le réparer. Et pour ça, il faut des pièces. Il ne m'a pas mis réparer la station de communication, donc ça doit être une mission annexe. Oh! Hello, my friend! Oh, yes, il y a un marchand, les gars. Cool! Craft. Ah, par contre, on avait un truc nouveau, là. Chips, hein, c'était, je crois. Ouais, là, ici. Chips, les amis. Donc, pommes de terre. Ah, outils, une poêle. Ok. Et donc, si je regarde bien dans ce que j'ai dans la... Oh là, c'était pas très français, ce que je dis. Si je regarde bien ce que j'ai dans la besace, normalement, une poêle, je dois en avoir une quelque part. Alors, attends. Ici, exactement, dans tous les objets utiles pour le craft.
Ah ouais, ça c'est bien ça. Bonjour monsieur le marchand. On est en mode quoi là? Ok, acheter, ça vendre. On va peut-être pas vendre ces trucs-là. Si je lui vends ça, ça fait quoi ça? 5. Ah oui, c'est peut-être mieux que le démantèlement. On va faire le. Donc si je lui vends à lui, il me donne 5 de crédit. Si je le démantèle moi-même, 2. Ah, quand même ça. Oui. C'est plus intéressant de vendre ça chez le copain là. Niveau thune, on est pas mal. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas lui acheter? Qu'est-ce qu'il a? Ah ça c'est ce qu'il a, l'arme fauchon. Oh, il a pas mal de trucs. Déjeuner oriental, mon pote. Un petit couscous, mon pote. Un délire. Oh, 290. Eh oui, effectivement. Ou 350 son couscous. Ok, gros, bon, t'es un petit peu gourmand aussi sur les prix. Hein. Donc ça, non. L'arme, on a le fauchon. C'est pas mal. C'est sympa. C'est pas mal. Ça fait un truc en plus. Donc on n'a plus rien. On a de quoi tout réparer. Non, c'est pas mal. Là, j'avoue, c'est bien. C'est quoi ça? Armature. On va lui vendre ça. Et si je lui vends 60, hein, c'est pas mal, là. Hein. Le maillet, on va peut-être lui vendre. Il est bientôt raid. Ouais, vas-y, écoute. Ah, il est rare, hein, quand même. Hein. À 120. Ouais, on retrouvera d'autres trucs. 470, on a de quoi réparer. Et tout, c'est bien. Peut-être lui acheter à boire quand même, parce que niveau boisson. Un jus de raisin. Ouah, 245, t'es un ouf. Alors, est-ce que c'est la recette qu'on va lui apprendre? On va faire le test. Ou est-ce que c'est juste une seule boisson? Ça devrait logiquement apparaître comme une sorte de petit parchemin ou quelque chose, je sais pas. Écoute, on va lui en acheter un pour voir. 245 son putain de jus de raisin, à mon avis. Et ouais, c'est juste le truc, c'est pas le plan. C'était logique, mais c'était à tester. On sait jamais, des fois. Voilà, y a pas. Hein, les gars, il n'y a pas d'embrouille, donc. L'établi. Je pense qu'il y a peut-être des missions pour le réparer. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Nous, on se retrouve. Les gars, au phare, hein, pour réparer la station. Ouais, quelque chose me dit que. Là, l'œil de Sauron, c'est pas. C'est peut-être une mauvaise idée, là. Oh, what the fuck, je suis où? Merde! Il m'a tapé à l'autre bouche! Oh putain! Oh, il y a des. Oh putain, gros, t'es sérieux? Mais non, fais pas ça! Mec, j'étais à côté là! Non! 1400 mètres, putain, c'est quoi ces conneries? Ah putain, bon, on va explorer la zone. Oh, vous avez un petit problème, monsieur. Oh! Bon, un petit coup de pied-bouche, là, putain. Il m'a chopé, j'ai peur que. Ah bah oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai bien entendu qu'il y ait. Ah putain, gros, ils vont me faire crever, ces cons. Putain! Et on est quand même en difficulté normale, hein. Pas de feu de camp, là. Ah, bâtard. Ah, tu viens en raton, hein. Venez en. Putain, rapia à deux bordels de. Us. Oh, le vol plané, mon copain. Oh, ça lui a piqué. Il faut que je boive là, par contre, les gars. Ok. Un putain de jus de raisin là, mon pote. À 250 balles, quand même. Il doit avoir des trucs intéressants là-dedans. Ah, boîte de médicaments, oui. Ça, on prend un bon petit cigare. Là. Une petite caisse de médoc encore. Oh. Sac à dos amélioré, les gars. Ah, c'est peut-être plutôt pas mal. Hein. Alors, voyons voir. Nouvelle recette. Tout. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Sac à dos amélioré, plus 15 ans. Ah ouais, cuir épais, tissu polymère, outil de base. Ok, d'accord, monsieur. Et outil de base, quoi, on peut le crafter, voilà, avec tournevis, ciseaux et peau. Donc, tournevis, normalement, ils se mettent là-dedans. Là-dedans, je crois.
ou objet à démanteler. Attention, non, normalement pas. Les gars, s'il vous plaît. Ah, purificateur, purification de l'eau. Donc la bouteille qu'on a remplie, dîner modeste, fil barbelé. Pièce détachée sans. Peut-être des choses à faire plus tard, je ne sais pas. Il y a eu un de ces bruits là, les gars, j'ai pas compris. Bonjour. Ah, il m'a mis dans une zone de mort. Hein. Après, il y a bien un truc qui me TP ici. Il m'a pas TP ici pour rien. Je pense, hein. Ah, pas mal de choses. Intriguant, là, le bruit qu'on a eu aussi. Ah, faire ses tractions, les gars. Impeccable. Oh! Il est là, le gars. Ah, eux, ils sont plus costauds avec leur petite armure de mort. Ah, ils se protègent, eux, ils sont pas mal chauds. Eux. Faut les brains. Un pied. Putain, pied. Mais bouche. Au sol, j'ai dit putain. Et c'est la mine de rien normal, la soif et la bouffe, hein, tu peux le regarder là en bas à gauche, et puis ça te défile à une vitesse astronomique. Oh, une pomme et une montre. Ah, peut-être trouver des piles. Ah, attends. Attends. Si, mais ça là-dedans, là, mon pote, non? T'as une petite caisse à outils, truc sympa à trouver, du scotch, voilà, parfait. Ça doit bien servir à quelque chose, ça. Ces piles, elles se mettent où, là? Attends. Acheter ça. Interaction. Si allume vert. Ok, nouvelle recette apprise, les amis. Ah, yes! Excellent. Outil de base, hein. Ok, outil de base. Je reviens dessus. Tournevis, hein. Faudrait que je trouve un petit tournevis. Oh, une petite trousse de santé, bon, on est quand même pas mal là. Bon, écoute, on va suivre, hein, le câbleau pour alimenter ça. C'est dommage parce que ça, c'est une dessin de pile, ça, d'emplacement pour cette fameuse pile, ça, non? Il veut pas, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Le transfo ou le générateur là. Ah, peut-être là-dedans, tiens. Attends, on va regarder, on va faire un tour. Une intrigue à résoudre prochainement. Oh, c'est quoi ça, ce zizi sur patte, là? Bon, il s'enfuit. Ok. Oh, ah, attendez, les gars, troublant, peut-être qu'on peut y retourner. On essaye. Je suis où? Ah! Full sud là. On a gagné 300 mètres. Bon, allez, on se rejoint au machin là, la station de communication, les gars. On doit finir le truc là. Plus le temps de niaiser là. Là, on rigole pas. On se rejoint là-bas et on clôture la fin de ce second volet, bien sûr. Ah là là, les gars. Il y avait du monde sur le chemin, mais. Regardez ce maillet. Ouaf. Putain. Fantastique. Allez. Allez, il tape en mode tricherie, là. Ah. J'ai un marteau. Je dis maillet, mais marteau. J'étudie bien quand il fait son truc. Voilà. Pour caler pendant ses deux coups à lui, mon coup à moi dedans.
Oh, attention, l'entité est transparente. Feu de camp en prio, comme ça, si tu claques. Voilà, pour X raison. Tu sors, c'est bien. Ah, putain, monsieur! Voilà. Attends, on va laisser bien aller dedans. Attends, hop. Un petit coup de pied. Tu retournes dedans, mon pote. Parce qu'il faudra quand même que je me soigne, là. J'ai pris des damage et mon taux de... Oh, c'est par ici que ça se passe. Aïe, 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 ça brûle. Bloop, voilà. Un petit salopard rôti. Le brouillard se dissipe. Ouais, il y a eu pas mal de montées là-dessus. On va utiliser ça. Ah, une petite trousse aussi. Et un petit repas. Est-ce que j'ai un petit repas? Fruits secs, 5. On va prendre ça. Hop, voilà, parfait. Les gars, les bonus. Et après, on valide la mission. Bonus, bonus. Apprendre des bonus. Qu'est-ce que nous avons? Les conditions. Ok, votre santé max 150%. Votre résistance au stress max passe à 115. Ça, ça peut être pas mal. Plus de liquide. Non, on va prendre flegmatique, hein, les gars. Et là, une compétence. Vous avancez à pas de loup. Vos mouvements font 50% de bruit en moins. Vous connaissez bien le prix d'un objet et savez le justifier auprès des acheteurs. Marge à la vente des objets 10%. Vous êtes doué pour négocier les prix avec les marchands. Achat 10% ou sinon gain de 10% quand tu vends. Ou silence. Non, je vais prendre marchand là. Oh, c'est quoi ça? Avec une gérant, avec une logistique efficace, vous avez plus de choses dans votre mal. Des cas supplémentaires pour les objets. Ninja. Bien lancer les couteaux, vous pouvez parfois les réutiliser. Ah, j'ai toujours plus de couteaux à lancer. Après sa mort est de 15%. On va prendre gérant. Ah ouais, ça commence à bien s'étoffer le machin là. Donc réparer la station de communication. Ok, on commence tout doucement à avoir des trucs sympatoches. Les gars, voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Hein. On continuera bien sûr, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais on est lancé. Je répète, curateur 400, ici volontaire, la station est réparée. Vous me recevez? Oh. Ok, donc allumer le transmetteur. Bon, on l'a vu, c'est... Ah bah ça repop là, tu vois. Voilà les amis, hop, une petite boîte à biscuits. Go. Volunteer, can you read me? I'm getting a signal. Copy that, I read you. Good work. Now the island has two-way communication with the continent. Yeah, I've been meaning to ask you about the creature on the elevator. What are you talking about? When the doors were open, I saw something blindingly bright behind them. I stepped forward and a few seconds later I was on the surface. What happened? I've heard from my colleagues that the first time people come to the island they experience a kind of acclimatation. In rare cases, it causes hallucinations and gaps in the memory. Obviously, it's a bit rougher on you than on most. You need to rest. Your next mission will take you someplace where you can do just that. Ah, on pourra se reposer, les gars. Greenwich is a dangerous place. Même si il y a des endroits plus ou moins calmes. Ok, ouais. Ok. Endroit est le camp Oasis. Il faut que tu te rendes là-bas et disons que... Tu lui fasses connaissance. Un jeton spécifique d'un réseau ferroviaire local qui est en fonction ici auparavant. Ok. Recherche du jeton, direction le camp pour le prochain épisode. Je peux trouver où ce token? Secteur C7. Ah punaise, avec le petit transporteur rouge, téléporteur rouge, j'étais là-bas. Bon ben les gars, nouvelle mission Oasis, hein, c'est celle qui vous attend. Pour le troisième épisode, en tout cas, j'espère que ce second volet vous aura plu. Moi, en tout cas, ça va, ça se prend bien. Il y a de l'amélioration et tout, donc voilà, hâte de progresser et de voir la suite de l'aventure, les amis. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.